44 vient d'arriver sur le ring numéro 2. Le 44 donc. Il s'appelle Eragon de Chanet, présenté par Étienne Raquin. Il est né le 13 avril, c'est un fils très signé de son père d'ailleurs, de Ressinger, et Rose célèbre par Authorized. Touche de plat. Touche de plat pourquoi? Parce que la grand-mère, Rosie Tood, elle a gagné l'Easton en Allemagne. Elle a fait Rosentrum, une Munson, qui a gagné les 2000 Guinées de République Tchèque. Famille de Rose Danone, mais l'obstacle aussi on trouve dans cette touche Trespass, qui a remporté le prix Hubert d'ailleurs. On peut marcher et puis trotter dans la foulée. Le 44, Eragon de Chanet. Tandis qu'on va se retourner aussi pendant ce temps-là sur le ring numéro 1. Sur le ring numéro 1, nous avons Émeraude de Côte, le numéro 23. Le 23 sur le ring numéro 1. Émeraude de Côte, né le 25 juin. Temps. On n'est pas pressé avec Georges Richardot hein, pour ça. Il y a 25 juin, donc elle a été saillie fin juillet. Il n'était pas parti en vacances du coup. Une fille de Calquévi et Cadalca de Côte par Cadalco. On a recherché bien sûr avec une fille de Cadalco à ramener du punch, celui et la vivacité, celle de Calquévi. Bon, bah ça c'est la souche, hein, c'est la bonne souche de Georges Richardot, puisque la deuxième mère c'est sa jument de base, Vanille de Côte, qui lui a donné cet excellent Lilium de Côte.